un Dieu des miracles. Il fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Lorsqu'il intervient, même en dernière minute, il prouve que c'est lui qui a le dernier mot. Le Dieu de Branham, c'est bien lui la colonne de feu qui a créé ce monde que nous voyons. C'est bien lui qui désire vivre dans mon cœur. Et il me conduit chaque pas. Le Dieu de Branham, c'est un Dieu qui ne peut faillir. Il a prouvé qu'il garde toujours sa parole et qu'il est venu combattre pour les siens. Oh oui, c'est pour ce Dieu que j'offre ce chant. Le Dieu de Branham, c'est bien lui, le Dieu d'Élie. C'est aussi le Dieu qu'Élisée expérimenta. C'est lui qui est descendu ouvrir les sceaux. Nous laissons voir notre vraie identité. Oh, le Dieu de Branham, c'est bien le Dieu d'Esther qui nous a redonné le sceptre d'autorité. Car il nous a pris pour son épouse et désire régner avec celle qu'il aime. Le Dieu de Branham, c'est bien lui le Dieu de Paul qui peut changer les cœurs, même les cœurs des pécheurs. En une seconde, Jésus a la capacité de ramener les brebis égarées. Le Dieu de Branham, c'est bien le Dieu d'Adam qui a tout fait pour restaurer l'Éden, pour qu'il ait communion avec ses enfants. C'est bien lui ce Dieu que je sers ce jour. De tout mon cœur, ce Dieu de ma victoire.